Alors, comme la FSU a décidé de ne pas aller aux assises de l'éducation organisées par le rectorat puisqu'elle ne pouvait pas s'y exprimer correctement, eh bien, nous avons décidé de communiquer sur nos propositions puisque nous avons un projet éducatif de plus de 20 pages qui couvre l'ensemble des champs et je vous propose de parler de pédagogie puisqu'on sait que les IPR et puis surtout les chefs d'établissement cherchent à imposer des choses au niveau pédagogique aux équipes pédagogiques mais aussi aux enseignants. Nous disons, nous tout au contraire à la FSU, il faut laisser l'entière liberté pédagogique aux enseignants dans le cadre des programmes scolaires. Il ne peut être question d'imposer aux enseignants du co-enseignement s'ils n'en veulent pas. Il ne peut être question d'imposer des épreuves communes à tout va sur tous les niveaux qui n'ont aucun sens quand on sait qu'une grande partie des classes dans l'académie sont triées. On ne peut imposer de faire des classes inversées alors qu'on sait très bien que c'est discriminant pour les élèves des classes populaires. Il faut clairement dire aujourd'hui que oui, les enseignants sont au cœur de l'enseignement puisqu'ils sont au contact des élèves au quotidien et ce sont eux qui sont le mieux à même de savoir la pédagogie à adopter pour améliorer la réussite de leurs élèves.